avant. Depuis 1983, nous n'avons jamais eu un tel espoir. À Bordeaux, bien sûr, avec Alain Juppé, mais aussi sur la cube qui va bientôt basculer. Nous travaillons ensemble pour l'intérêt de tout le monde. Je ne suis pas dans la revanche. Je veux construire. Je veux une alternance dans l'intérêt de tous les Libournais. De tous les Libournais. Et quelle que soit leur sensibilité. Mais dites-le autour de vous. Le 30 mars, c'est la bataille pour l'avenir de Libourne. Libourne a besoin d'un second souffle, d'une autre politique, dont les premiers grands chantiers concerneront la sécurité, l'emploi, la fiscalité, l'attractivité, le rayonnement et l'embellissement de la ville. Je m'adresse à tous les électeurs, quelle que soit leur sensibilité. Rassemblons-nous et agissons ensemble, quel que soit le vote que nous avons exprimé au premier tour. À toutes les Libournaises et à tous les Libournais, je tends aujourd'hui la main. Je tends la main du renouveau. Je tends la main du cœur. Je tends la main de l'espoir. Je tends la main de la concorde, celle qui sonne le réveil de l'optimisme, enfin retrouver d'une énergie nouvelle dont notre ville a tant besoin. Vraiment, votez pour casser cette spirale infernale contre le déclin de Libourne. Réagissez, allez chercher les voix une par une. Autour de Jean-Paul Garraud et de son équipe que Libourne doit repartir de l'avant avec Bordeaux, avec la Gironde, avec l'Aquitaine et avec la France. Qui Libourne ?